Aujourd'hui, dans les tutos de la JL, nous allons étudier les gestes des arbitres. Alors, tenez-vous bien. Pour cela, il nous faut un terrain, un arbitre, son sifflet et du bon son. Bon, passons aux choses sérieuses. Pour stopper le chronomètre durant le jeu, l'arbitre lève la main. Il annonce la violation. Ici, un marché, puis la réparation. Remise en jeu à droite, remise en jeu à gauche. Pour annoncer une faute, il lève le poing et annonce la faute. Contre illégal du numéro 7, 2 lancers francs. Maintenant, apprenons à compter arbitre. Numéro 7, main de face signifie les unités, 5 plus 2. Numéro 16, main de dos pour les dizaines, 10 plus 6. Numéro 78, 7 dizaines plus 8. Enfin, tout ça est un peu scolaire. Le mieux, c'est d'apprendre en musique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À vous. Faute. Marcher. À gauche. Démarrage du chrono. Reprise de dribble. À droite. Faute. Dribble irrégulier. Pas bien. Faute. Obstruction. Contact. Frapper la tête. Passage en force. Alors, c'est qui l'arbitre? Voyons si les joueurs ont compris. On va leur faire faire n'importe quoi, vous allez voir. À gauche. On avance. Tambour. Wow, 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 attention. Ils sont au top à la JL. Alors, petit tirage de langue, on avance. Ouais, ils ont du rythme, pas mal. Ça, c'est une équipe de basket.